Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, euh, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, euh, je voulais vous annoncer euh, à tous que, euh, voilà, c'est ma dernière année au, au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et, et je vais terminer mon aventure dans, dans quelques semaines. Je vais jouer mon, mon dernier match au Parc des Princes dimanche. Euh, c'est euh, beaucoup d'émotions. Euh, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et, et l'immense honneur de, de faire partie du, du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma, ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme, comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les, les meilleurs de l'histoire, certains des, des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi. Euh, avec euh, toute la gloire et, et les erreurs que j'ai pu faire, euh, je voudrais remercier tout d'abord bien sûr les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eu, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et, et Luis Enrique, les directeurs sportifs Leonardo et, et Luis Campos, euh, de m'avoir toujours accompagné, euh, l'ensemble des gens au club. Ce que les gens voient pas les gens de l'ombre que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance euh, tous les gens dans les bureaux campus, tout le monde parce que voilà il y a des personnes qui sont formidables qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance euh, malgré tout ce qui peut se passer en dehors, euh, tout ce nuage médiatique qui entoure euh, parfois le club il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et et faire briller ce club et, et ça fait plaisir et je sais que avec toutes ces personnes ce club, il est entre de bonnes mains. C'est difficile, difficile, je pensais pas que ça allait être aussi dur de d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que que j'ai toujours connu, mais je pense que j'avais j'avais besoin de ça, Un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et et bien sûr il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout c'est les c'est les supporters je sais que je suis pas le joueur le plus démonstratif j'ai pas toujours euh, été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant sept ans mais mais j'ai jamais voulu tricher j'ai toujours voulu être performant euh, le PSG c'est un club qui qui laisse personne indifférent on peut aimer ou on peut détester moi j'ai choisi de l'aimer et et je l'ai fait pendant sept ans avec des hauts et des bas bien sûr mais mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux c'est c'est un club que je vais garder dans dans ma mémoire toute ma vie je, je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici et et maintenant je serai plus un joueur et je vais continuer à, à regarder tous les matchs bien sûr parce que c'est c'est un club qui qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à, à l'actualité du club c'était moi avec euh, mes qualités et mes défauts mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces sept ans et mais avant tout je veux vous dire merci parce que sans vous j'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues et... et juste pour ça je suis je suis reconnaissant à vie donc merci à tous j'espère qu'on va on va finir cette année avec un dernier trophée on va passer des des bons moments pour ce qui reste et mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie ici c'est Paris et au revoir.